Ben, regarde. Oh, c'est le jab au visage. Tais-toi. Et ton vieux père, hein? Ouais, parce que j'ai peur de te faire mal. Tu sais, à ton âge, un os cassé, ça prend du temps à se réparer. Oh, le combat fait rage. C'est le jab au vampire. Oh, là, tu l'auras voulu, par exemple. Aïe, aïe! Simon, es-tu correct? Oh, oui. T'es sûr, là? Non, je te dis, ça va, là. Ça cogne dur, mais ça a pas fait mal. Ça a pas fait mal au plancher, ouais. Mais moi, par exemple, c'est une autre histoire. Ton père devait être mal quand c'est arrivé? Pas vraiment, non. J'ai pas dit, j'ai fait semblant d'être correct. Maudit orgueil, hein? Non, c'est pas ça. Je connais mon père. S'il sait que je me suis fait mal, il me laissera pas aller à l'école de cirque ce soir, au cas où j'aggrave ma blessure. Vas-tu être capable de sauter? Ben oui, j'ai pas besoin de mon bras pour sauter sur un trampoline. Ouais, puis ça va te faire une bonne excuse pour pas faire des sauts aussi hot que les miens. Ah ouais, avec les deux bras attachés dans le dos, je serais meilleur que toi. Ah, vous allez voir, juste à me regarder, vous allez être étourdi. Ça va? Comme une fille qui vient de manger une claque d'en face. Je t'avais pas vu. Ben oui, j'espère, hein? Tu pourrais t'excuser au moins? Toi aussi, tu m'as fait manquer mon saut. Oh! Hey, j'ai tout vu, j'étais là. Le respect, toi, ça te dit rien? Oui, j'allais m'excuser, vous m'avez juste pas laissé le temps de le faire. Ben, excuse-moi, Shandy. Tu vois, c'est pas en m'excusant que ça y fait moins mal. Ah, oh, Simon, franchement, oh, non! C'était une blague, là. Tu vas pas faire une histoire juste pour ça? Non, non, Lina, pas juste pour ça. Savez-vous quelle semaine nous sommes? La semaine où tu poses des affiches que personne va lire. Très drôle. Non, c'est la semaine de la politesse et on m'a demandé de faire la promotion auprès des jeunes. Bon, ben, c'est fait. On n'en parle plus, OK? Hey, beau travail, champion! Bon pire, hein? Hey, tu t'en sortiras pas comme ça. J'ai préparé un petit jeu, justement, pour vous sensibiliser à la politesse. Et j'ai besoin d'un ami, tiens, pour m'aider à l'animer. Quel genre de jeu? C'est un jeu pour sensibiliser à la politesse et au savoir-vivre. Pas dans un centre des loisirs, que t'aurais dû travailler tous dans une prison. Ah oui, j'ai arrêté, pas pire. Hey, on a déjà assez de l'école où il y a plein de règlements. Ah, mais ça... En plus, les affaires de politesse, c'est glauque. C'est pas dans le temps de nos grands-pères, ça. Moi, je trouve que c'est une super de bonne idée. Hein? Ça va faire du bien. D'un autre côté, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas super polis ici, hein? Dans le fond, je suis d'accord, moi aussi. Ah! Tant mieux! Puis, vas-tu m'aider pour mon petit jeu? Non, je pourrais pas. J'ai plein de devoirs à faire. Puis l'école, Max, ça passe avant les jeux. Ah. On se reprendra l'an prochain. Non, mais très, très habile, très habile. Tu t'en sortiras pas comme ça, mon grand fanal, toi. Tu vas voir, je vais le faire quand même, mon jeu. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Max? Il prend de l'initiative! Merci, Max! Centre des loisirs, bonjour. Oui. Un instant, comment ça? Prévenir les mauvaises herbes. On n'a même pas de gazon. Mais savez-vous qu'on est en hiver ou... Oui, monsieur Joseph, si vous voulez me faire plaisir, savez-vous, apportez-moi un bon club sandwich extra mayonnaise. Non, mais c'est parce que j'ai pas de dîner et puis... Ah, ça marche, Yves. Bon. Excellent. Ah! André! Hey! Salut, salut! Est-ce que tu as eu des nouvelles pour ce que je t'ai demandé l'autre fois? Ah, ça, j'imagine que tu parles pas d'hier quand tu m'as demandé l'heure, hein? Mais non, quand je t'ai demandé si je pouvais réserver une salle ici avec ma gang de ringuettes pour un party! Organisation! Réserver la salle de ringuettes! Oui, oui, je m'en souviens! Oui? Non, j'ai pas de nouvelles. Oh, on va tout ramasser après! Oui, non, mais je sais, Chandy, c'est pas la question. C'est juste que, bon, premièrement, je suis débordé. Il va falloir que je fasse des vérifications, voir s'il y a pas des activités que je dois changer. Il va falloir que je rejoigne du monde, puis regarde, j'ai pas le temps. Je suis complètement débordé aujourd'hui, c'est impossible, surtout avec la sortie à l'école du cirque. Tu me fais penser. Oh, les formulaires d'autorisation. Bon, j'ai pas fini de les distribuer. As-tu eu le tien? Ben oui, je te l'ai même rapporté, là. Ma mère l'a signé. OK, parfait. Non, c'est important parce que si les jeunes signent pas ça, si leurs parents signent pas ça pour les jeunes pourront pas utiliser l'équipement de l'école du cirque. Tu comprends? C'est fou. Mais quand est-ce que tu vas m'en donner des nouvelles? Ah ben, demain. Ou après-demain. Ou, c'est pas sûr, mais peut-être après-demain. Ou la semaine prochaine. Ah, oh, laisse faire d'abord. Ah, oh, Shandy, parce que moi, aujourd'hui, c'est la journée où j'aurais besoin d'être cloné. En plus des tâches habituelles, il y a la sortie à l'école du cirque, il y a ton histoire avec la salle, il y a la semaine de la prévention pour la politesse et. Oh, tu me fais penser. Oh, ça, tu pourrais me donner un coup de main, par exemple. Si tu me donnes un coup de main pour la politesse, pendant ce temps-là, je pourrais faire des démarches pour ta salle. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça. Ben oui, toi. Hey, tu l'as dit en plus, tu trouvais que c'était une bonne idée que je m'occupe de ça, la politesse. Ben justement, je trouvais que c'était une bonne idée que tu t'en occupes. Non! Pour
moi. Shandy, 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 t'es toujours poli. Regarde, tu t'assois quand tu entres. Regarde, tu es la candidate idéale pour ce projet-là. Et en plus de ça, j'ai pensé à tout. Il te reste juste à exécuter. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ah, très simple. C'est un petit jeu un peu coquin. Alors, si quelqu'un manque de savoir-vivre ou est impoli, tu lui donnes un constat d'infraction. Paf! Après 5 constats, la personne est obligée de faire une bonne action pour le centre. C'est pas génial, ça? Finalement, tu me demandes de voir la police. Oh, ben non. Oh non, oh non, par exemple. Non, non, non. Faut que tu vois ça comme un jeu. Vraiment, c'est un jeu. Pas sûr que je vais être bonne. Mais oui, tu vas être bonne, tu vas être excellente. Mais regarde, Shandy, regarde. Par exemple, tu peux te promener avec des livres, là, tu fais semblant des échappés, puis si quelqu'un vient pas t'aider, tu fais « Ah ah, constat, hein? » C'est le fun, ça, c'est le fun, ça. C'est le fun. Ouais. Oui. OK. Ah, okay. Oui, fantastique. Tu vois, pendant ça, là, je te promets que, écoute, demain, tu vas avoir des nouvelles pour ta salle. Puis fais-moi confiance, je vais m'arranger pour que tu puisses avoir ton party de ringette. Yeah! Bon, t'es là. C'est bon. On cogne avant d'entrer, là. Ah, mais c'était pas fermé. Je te dérange? Non, 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 non. Je lisais. Tu disais quoi? Ben, je lisais des affaires pour le bureau. La teinture? C'est à toi, ça? Non. Je sais pas ce que ça fait, là. Pour faire disparaître les cheveux gris, un choix viril. Oui, bon, j'ai un peu le cheveu gris, là. Je vais me faire une teinture, j'ai le droit, non? Une teinture? C'est une affaire de fille, ça. Mais non, c'est une teinture pour homme. Ouais, pis, même si tu me disais qu'ils font des robes pour hommes, je continuerais de penser que c'est du linge de femme. Bon, j'ai un peu le cheveu gris, là. J'aime pas ça parce que... Il y a un collègue au bureau, il a quasiment mon âge, qui arrête pas de m'appeler monsieur. Ah ben, quand il va savoir que tu te teins, peut-être qu'il va t'appeler madame. Tu peux bien rire, toi. Tu m'en parleras quand t'auras mon âge. Ah ben, tu vois, j'ai encore une bonne centaine d'années pour en rire. Maintenant que t'es au courant de mon petit secret, là, tu vas m'aider. Tiens, mets ça. Ça sera pas drôle avec mon bras. J'ai pas le temps, je voulais seulement te faire signer ça. Non, on va dire que c'est un échange de services. Tu m'aides, je signe ton papier. C'est du chantage, ça? Mais non, c'est un marché équitable, là. C'est la première fois que je vais faire une coloration, puis il y a des précautions à prendre si on veut que ça soit bien réussi. On sera pas trop de deux. Mais rassure pas. OK! Es-tu prêt à avoir ton choix viril, mon petit Claude? Qu'est-ce que tu fais là? Mais quoi? Tu veux pas avoir des cheveux gris? T'en as plus? Je pense que je le préfère en gris. Appliquer uniformément... Pénicrity. Appliquer uniformément la coloration, oui. Mais voyons, Simon, as-tu un problème? C'est pas ma grandeur. Et si, je vais t'aider. Allez. Pousse un peu. Voilà. Aïe, aïe! Là, je vais mélanger les produits, là, puis tu vas m'aider à appliquer la coloration. Bon. Ça va me prendre mes deux bras pour faire ça? Papa, on devrait peut-être demander à Marianne à la place. Elle connaît ça pas mal plus que moi. Ben oui, on va demander à Marianne. On pourrait demander à toute la rue de la Cayette. J'ai pas envie de crier sur tous les toits que je me fais une teinture, là. Non, allez, allez, viens m'aider, là. On pourrait attendre Victoria. Ben, Simon, je te demande pas de m'opérer. Vas-tu encore te défiler longtemps comme ça? Ouais, jusqu'à temps que tu me laisses aller. C'est trop compliqué. Je vais me débrouiller tout seul. Non, non. Bravo, inspecteur Gadget, là. Hey, tu paniques pour rien, là. Je voulais pas le voler. Non, non, je sais. Mais prendre quelque chose qui t'appartient pas sans demander la permission, c'est pas correct. Je prends bien des jeux ici sans demander la permission à personne? Ben oui, les affaires du centre des loisirs, là, c'est correct. Mais le lecteur CD, là, hein, qui doutait bien qu'il appartenait à quelqu'un? Surtout que mon nom est écrit dessus. Tiens! Contente, là? Prochain coup, demande la permission avant.
Ah, on sait pas, il aurait pu y avoir des affaires personnelles sur le CD. Hein? Tu l'as bien eu, hein? Je doutais de rien. Bravo. Merci. Ah, je gage que c'est ça, hein, le petit jeu que Max nous parlait tantôt. Ouais. Ouais. Ouais, puis j'ai pas le choix. Il faut que je te donne un constat d'infraction. Ah, ben dans ce cas-là, tu t'en donneras un, toi aussi. Ah, pourquoi? Parce que t'as laissé traîner tes choses dans un lieu public. Puis ça, ben c'est un manque de savoir-vivre. Oh! Mais ça compte pas, j'ai fait exprès. Pour vous prendre, là, ça fait partie du jeu. Ah. Ouais, puis tu t'es laissé traîner quand même. Hé, hey, Lina, t'as pas compris ce qu'elle vient de te dire, là? C'est qui, lui? Ton chien de garde? Hi, toutou! Va chercher! Ah, t'es rendu super comique, toi. C'est depuis que tu te tiens avec l'espérance, ça. Oh, le petit chien fâché. Laisse-toi pas faire, OK? Si tu veux... Non, c'est bon, Alexis, là. Hein? Je suis capable de me défendre toute seule. OK, d'abord. Je sais pas si t'as remarqué, mais tu as coupé la parole. Ça, c'est pas poli. Coudonc, me cherches-tu? Enfin, je veux juste t'aider à être plus poli. Oh. Alexis est bien fin, là, mais... Faut insister un peu, sinon il lâche pas le morceau. Tu as quand même coupé la parole. En plus, il arrête pas de tourner autour de moi, puis des fois, ça m'énerve. Mais as-tu essayé de dire? Mais non, je sais pas comment lui dire ça sans le blesser. Mais il me semble que décolle, s'il te plaît, c'est pas trop blessant, puis ça a le mérite d'être clair. Peut-être pour toi. En tout cas, moi, il me collerait pas longtemps. Mais c'était quand même impoli de lui couper la parole. Tu t'en vas? Ouais. Max vient de m'appeler. Il veut que j'aille à l'école de cirque avec lui tantôt avant la sortie. Pourquoi? Ouais, je sais pas. Je sais qu'il doit y aller. Peut-être qu'il veut juste pas être tout seul. Bon, peu importe. Je vais en profiter pour pratiquer une coupe de saut. Excuse-moi, Simon. T'aurais pas vu mes lunettes? Je tenais de me forcer les yeux. Oh, tu vois pas, tu sais plus où tu ranges tes affaires, tu commences à avoir des cheveux gris. Je pense que ça te prend plus qu'une peinture pour te rajeunir. Ils sont là. Papa, en passant, peux-tu signer mon autorisation? Max m'attend, on va aller à l'école de cirque. Ah ben là, je sais pas si je vais être capable, je me rappelle même pas de mon nom. Arrête de niaiser, j'en ai besoin. C'est pas ce stylo-là. Mais là, que t'as de la misère à mettre un gant de caoutchouc, je comprends, mais ton manteau? Je suis capable de le mettre tout seul, mon manteau, là. Je l'aide par politesse. Ils nous apprennent ça au centre des loisirs. Ah, hein? D'habitude, c'est pas les gars qui aident les filles à mettre leur manteau? Ouais, mais ça, c'était dans ton temps. T'es sûr que ça va? Oui, pourquoi? Lève donc ton bras, moi. L'autre. Tu t'es fait mal tantôt, hein? Pourquoi tu me l'as pas dit? Ça fait juste mal un peu. T'es même pas capable de lever ton bras. Pourquoi tu m'as caché ça? Ça faisait pas mal tantôt. Ça vient juste de commencer. Bon, me le signes-tu, là, mon papier? Max m'attend. Non, attends un peu, là. Si t'as mal, y a pas question que t'ailles faire de la trampoline. On dit un trampoline. Un ou une, y a pas question que t'en fasses aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je veux pas que t'aggraves ta blessure. Je vais faire attention. Oh, je te connais, Simon L'Espérance. À faire attention pour toi, les autres appellent ça extrême. Je te le promets. C'est pas prudent. Quand tu seras guéri, tu iras faire la trampoline. C'est un trampoline. Oui, c'est comme une moustiquaire au lieu d'un, je sais. Merci, ma belle. C'est aujourd'hui qu'ils y vont, pas quand je vais être guéri. Là, j'en ai pas pour longtemps, là. Oui, allô? Un instant, s'il vous plaît. Je veux voir ton bras. Si t'as mal, on va aller à l'hôpital. J'ai mis de la glace, je suis correct, je te dis. Oui. Non. Arrête de m'appeler, monsieur. Tu peux m'appeler Claude, hein? Pourquoi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de le fun dans ma vie, il faut que tout soit gâché? Il pourrait pas rien se passer pour une fois? C'est pas grave. Passe-moi ton stylo. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te signer, moi, ton papier. Hein? Tiens, tu l'as, ton autorisation? Hein? Ils vont s'en rendre compte que c'est pas la signature de mon père. Hey, on n'est pas à banque, là. En autant que ça soit signé, c'est correct. Tu penses? Hey, c'est sûr. Hey, je signe pour mes parents depuis que je suis toute petite, là, puis ça a toujours marché. Tu vas avoir raison. Oh! Ah, tiens, après toi. Merci.
Cassu s'en vient. Hein? Oh, je vais aller me chercher quelque chose à boire. Hey, bouge pas! J'y vais! Qu'est-ce que je te disais? Mais c'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça. C'est à lui. Veux-tu que j'y dise, moi? Non, 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 surtout pas. C'est correct. Mais je veux juste t'aider. Il revient. Hein? Tu sais? Mais là, Shandy! Shandy, attends! Attends, attends! Oh, hey, ça, c'est pas vrai, déjà. Oh, 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 oh! Ouais! OK, regarde bien un pro sauté, Max. Un instant. J'ai priorité. Pas d'affaire, je te lave, hein? De toute façon, c'est une école de cirque, tu peux essayer d'autres choses. Je sais pas, moi, mets un nez de clown, essaie de dompter un éléphant, sors un lapin d'un chapeau, mais la trampoline, c'est moi qui l'essaie. Ce que tu sais pas, c'est que j'ai besoin de m'entraîner, puisque ce soir, c'est moi qui donne le cours d'initiation. Ah, c'est en prochain coin, hein? Toi, ça? Oui, pour ça, j'ai besoin de venir me dérouiller un peu. Attention, ça va donner un grand coup! Hop! Oh, oh! Merde! Oh, oh! Allez, Max! Oh! Oh, ça vient! Merde, les gars! C'est correct, là. Faut dire que j'ai manqué un petit peu mon coup, là. Ah ouais? Moi, j'étais sûr que c'est ça que tu voulais faire. Je veux pas te décourager, Max, mais t'es pas rouillé. T'es juste poche. Mais laisse-moi le temps! Si c'est Max qui donne le cours, ça va être plate rare. Attention, je vais maintenant jongler avec une balle. Ah! Et je vais me tenir en équilibre sur une jambe. Oh! Ah! N'essayez pas ça à la maison. Hey, hey, hey. À côté de ça, le tricot, c'est un sport extrême. Max, pourquoi tu demandes pas à un vrai prof à la place? Hey, tu sauras que je peux vous en montrer. Ben, tu sais peut-être pas, mais j'ai suivi des cours dans l'art du cirque et j'ai même eu mon diplôme. Ha! Ah ouais, ben moi, j'ai déjà suivi des cours en morale et religion puis je suis pas pape pour autant. Bon, OK, tasse-toi. Je vais te montrer c'est quoi un vrai saut. Ah! Aïe, aïe! Oh, aïe, aïe, aïe! Tu as de la misère à monter sur le trampoline puis tu savais m'en montrer, bravo! Niaise pas, là. Je me suis même fait un peu mal à l'épaule en me tiraillant avec Claude tantôt. Ben, c'est ça. Repose-toi pendant ce temps-là. Je vais m'entraîner. Ah ouais, ouais. Dodo. Tiens, chien de poche qui arrive. Oh non, pas encore. Oui, ben, c'est parfait. Ben, c'était une bonne nouvelle, ça. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Max? Oui? Je suis tannée de faire la police puis de donner des constats. Ah ouais, ça s'est pas bien passé? Mais pas vraiment, non. À cause de ça, je me suis fait écœurer par Lina. Ah, j'avoue, c'était peut-être pas une bonne idée de te donner cette responsabilité-là. Pas trop déçu que j'arrête? Ben non, voyons, au contraire, je te remercie d'avoir essayé. C'est pas grave, oublie ça. Bon, hey, moi, il faut que j'aille souffler si je veux être en forme pour vous donner des cours. Yeah! As-tu un problème avec Max? Est-ce que je peux t'aider? Alexis, veux-tu me lâcher un peu? Excuse-moi, je voulais juste te rendre service. Non, excuse-moi, là, c'était gentil de ta part. Une chance? Ben oui, mais c'est parce que t'en fais trop, là, pis à longue, ça m'énerve. C'est beau, j'ai compris. Non! Alexis, prends-le pas mal! Je vais... Hey, laisse-la aller! Il était temps que tu le donnes, ton petit chien-chien. La vie n'est que bonheur! Alléluia! Ouais, on se gêne pas, Max. Savais-tu que c'est pas poli de se servir dans le frigo des autres? Oh, bravo! Je joue pas sur les mots, là. Depuis le temps que je viens ici, là, votre frigo, c'est comme le mien, hein? Oui, mais avec de la bouffe dedans. Simon, je prends toujours les choses qui sont sur le bord de se perdre, hein? Si je mangeais pas ça, vous le jetteriez. Tu devrais me remercier. Je te signale qu'on est neuf dans la maison. C'est impossible que quelque chose se perde. Même le brocoli se perd pas. Ça te donne une idée. OK. Vois ça comme un échange. Tu peux venir fouiller dans mon frigo quand tu veux. Oh, excuse-moi. Mange pas trop, Max. Tu sautes déjà pas très haut. Si tu te bourres en plus...
Je fais la jeune, inquiète-toi pas pour moi. Hein? Salut, Max, comment ça va? Hé, hey, Monty Claude, ben, ça va bien. Regarde, je t'emprunte un petit peu de macaroni, ça dérange pas, hein? Ah, parfait, c'est bon, macaroni. J'espère que Max va pas parler du papier d'autorisation à Claude. Il faut mieux prévenir. Wow, hey, c'est super beau, tes cheveux. Vraiment, là, ça te rajeunit. Le monde va penser qu'on est des frères. Ah oui, tu trouves? Ben, oui. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont, ces cheveux? Ça te dérange pas que je lui dise? Non. Claude s'est fait une petite teinture. Ah ouais? Ouais. Bon, au début, je trouvais ça niaiseux, mais... Ah non, finalement, ça te fait bien. T'as l'air super cool comme ça. Je suis content de l'apprendre. Surtout que je l'ai pas fait, ma teinture. Non? Je comprends pas. Là, tu te teins ou tu te teins pas? Non, j'ai changé d'idée parce que je me disais pour un ou deux cheveux gris, ça valait pas la peine. Hein? Ça me tentait pas de recommencer ça à chaque mois. C'est vrai que comme ça, ça te laisse plus de temps de me préparer un bon dessert. Hein? Et je me suis dit, je suis pas si vieux que ça, je suis encore capable de te faire la leçon. Est-ce qu'il te l'a dit que j'ai donné toute une raclée tantôt? Ben oui, je voulais te dire ça, mon petit Claude. Toi, tu laisses ton fils aller sauter sur un trampoline alors qu'il est blessé? Oh non! Tu ramollis, mon gars. Ça doit être l'âge. Je le laisse pas aller, j'ai pas signé son papier. C'est pas drôle, c'est rendu qu'il oublie ce qu'il fait, là. Max! Oh, on va être obligé de vous placer, mon petit Claude, là! Vous oubliez! Tu l'as signé son papier, je l'ai reçu. Je te dis que j'allais pas signer son papier, moi. Mais si tu l'as pas signé son papier, qui c'est qui l'a signé, d'abord? Simon va sûrement nous expliquer ça. Oui, mais vous me croirez pas. C'est donc pour voir. Choque-toi pas, papa, ça va te donner des cheveux blancs. Moi, je vais aller voir s'il reste du dessert. Je suis vraiment pas fier de toi, Simon. Je vais faire l'hémicycle, c'est trippant. T'attends-tu d'essayer? Non, moi je préfère le trampoline. Hey, les jeunes! Oh, hey, pendant que je pense à sauter, il faut enlever tout ce qui est bijoux et compagnie. Bon, hey, Chani, pendant que je pense aussi, j'ai réussi à faire des appels, puis ça va être correct pour ta salle. Merci, Max! Ça me fait plaisir. Bon, êtes-vous prêts? Oui! OK. Attention, alors je vais vous faire une petite démonstration. Puis après ça, ben, ça va être à votre tour. OK. Okay. T'étais super poche tantôt. C'est quoi, as-tu pris un cours de cirque en accéléré? Disons que j'ai gardé mes meilleurs sauts pour ce soir. Bon, qui veut essayer? Moi! Oh, Chani! Non, moi! Mais non, souviens-toi de ce que Claude a dit. T'es déjà chanceux de pouvoir être ici, là. Tu regardes, c'est tout. Désolé. OK. OK. Hop. Alexis, est-ce que tu voudrais m'aider? Ah, parce que t'as besoin de moi, là. Oh, je voulais pas être méchante tantôt, hein. Non, j'avais juste besoin de prendre de l'air. Mais j'aurais vraiment besoin que tu m'aides. Moi, j'y vais. Ah! Regardez!